clé. Pas de clé. Une clé. On était bien parti. On voit. Ah ben, en parlant de la clé, voilà Chloé qui nous a annoncé la clé. Bravo Chloé. Ouais, merci. On est des intellectuels en même temps. Cela dit, le problème, voyez-vous, c'est qu'on ne peut pas tout miser uniquement sur Chloé. Ouais. Ça risque d'être difficile. Surtout, par exemple, pour ce qui vous attend là, car, nouveauté, la clepsydre ici est rouge. Ah. Et la couleur rouge indique le danger. Et le danger est patent pour plusieurs raisons, je vais vous l'expliquer. Ici, c'est vous qui jugez du temps qu'il vous faudra pour réaliser cette épreuve. Autant dire qu'au-delà du temps de cette clepsydre, qui n'est jamais qu'une indication, vous pouvez passer plusieurs autres minutes en sachant simplement que ces minutes vous seront retirées de la suite du parcours. A vous de juger donc si, oui ou non, vous voulez consacrer énormément de temps ou peu de temps pour récupérer la clé qui est cachée. Kamel, je lis, sans tarder. Je n'ai pas l'embarras du choix, mais c'est tout comme... Allez, Kamel, à l'arrivée, à la droite. Kamel, tu viens à gauche. Prêt ? Tu te mets à droite, voilà. Pensez à l'association. Hein. Ouais. C'est parti. Allez, go, go. Allez-y. Allez, regardez bien. Dès que vous arrivez dans la cellule... On va en parler tous les deux aussi, là. Alors, est-ce qu'elle a vu la clé ? Est-ce que vous voyez la clé ? La clé, elle est tout de suite... Quand elle arrive, quand arrive, il faut qu'elle la prenne tout de suite, prends qu'elle là, range, prends là. Et qu'elle la range dans sa poche. Maintenant, c'est comment sortir. Alors, voilà, Kamel, t'as vu une issue ou pas du tout? Non, non. Voilà, tu la mets dans ta poche, Julie. Oui, qu'elle la mette dans ta poche. Voilà. Alors. Non, mais je suis pas obligée de me plier dans l'oreille. Vraiment, c'est désagréable. Il ouais. Faudrait qu'elle prenne. Alors, comment, là, est-ce que vous avez la prends les boîtes pour faire une pyramide, d'après moi, et pour passer quelque part, non? Il n'y a pas une issue par la hauteur? Pour libérer Kamel, maintenant écoutez-moi, pour libérer Kamel, il a besoin de deux outils qui se trouvent dans les boîtes de conserve. Ouvre les boîtes, il faut non, ouvre toutes elle n'y arrivera pas, elle n'y arrivera pas. Non. Le seul qui peut ouvrir les boîtes de conserve, c'est Kamel. Ah, donc elle doit lui passer les boîtes de conserve. Tu dois lui passer les boîtes de conserve et c'est lui qui les ouvre. Il y a un trou là-haut. Tu lui passes les boîtes par le trou et lui les ouvre. Au-dessus du grillage. À gauche, voilà. Tu lui passes les boîtes. Voilà, donc elle lui passe les boîtes, Kamel ouvrira les boîtes. Il devra trouver deux outils. Montre une boîte pour la passer. Alors comme vous l'expliquez tout à l'heure, pour la passer, quand le temps sera terminé, passe-partout ne va pas verrouiller la porte. D'accord? Mais ce une sera une à boîte. Vous de juger si oui vous voulez les laisser ouais. dedans et avoir deux prisonniers ou un seul. Mais une boîte à tes pieds, Julie. Monte sur une boîte, Julie. Pose une boîte pour monter dessus, Julie. Voilà une bonne idée de. Pose une boîte pour monter dessus, Julie. D'accord. Bien vu. Non, pas si bien vu que ça. Non, que Kamel arrive. Non, oublie, finalement. Il faut que Kamel ouvre les boîtes. Ben oui. Kamel, ouvre les boîtes, Kamel, pendant ce temps-là. Kamel, c'est très désorganisé tout ça. Kamel, ouvre les boîtes pendant ce temps-là. Ouvre les boîtes pendant ce temps-là, pendant qu'elle les passe. Kamel, ouvre les boîtes. Kamel. Ouvre les boîtes. Il a pigé. Merci quand même. Bon, regardez, la clepsydre, elle est finie. À partir de maintenant, prend du temps en plus. Maintenant, à partir de maintenant, tout le temps que vous allez utiliser, c'est du temps en moins pour vous. Ouais, d'accord, pour la suite du parcours. Merde, donc vous avez une décision à prendre on maintenant. Deux prisonniers, ça vous fait. Alors, soit vous décidez de les laisser tous les deux, c'est d'accord. Soit vous pouvez récupérer. Pour l'instant, vous pouvez récupérer que Julie. Parce que Julie a une issue. Kamel n'en a aucune. Ouais, donc soit on sacrifie l'homme fort, soit on se. Tu vois. Est-ce que vous avez compris oui, j'ai très bien compris. Alors, laisse une minute encore. Ouais, allez, mais alors, qu'il se dépêche. Dépêche-toi. Et après, il reste plein de trucs à faire. Et bien, vous avez qu'une seule clé, hein, je vous le rappelle. Ouais, on a qu'une seule clé. Et ça, vous savez ce qui se passe. Hein, Kamel. Si vous allez aux oubliettes, vous allez devoir vous sacrifier vous-même pour récupérer des clés. Donc, ça veut dire que vous allez en prison. C'est le moral. Kamel, est-ce que tu as trouvé un outil déjà? Il faut que tu en trouves deux pour sortir. Est-ce qu'il a trouvé des outils? Moi, je dis, on les fait sortir. C'est bon? Il faut deux clés. Il faut la deuxième clé. Allez, presque, allez, vas-y. Un outil crabe et un outil poisson. Là, elle a utilisé l'outil poisson. Il te faut une deuxième clé. Donc, il faut qu'il continue à ouvrir les boîtes et qu'il trouve sa deuxième clé, Julie. Il a dû passer à côté de l'outil. Et l'outil poisson, c'est bon, il faut qu'il récupère l'outil crabe. Il parle à une porte, il y a que ça.
Là, et c'est bon, ça y est, elle est à la deuxième. Allez, vite, dépêchez-vous. Ça vaut le coup de les attendre tous les deux parce qu'ils sont proches de la sortie. Non, c'est de l'autre côté la sortie. La sortie est de l'autre côté. Il y a une sortie. L'idée, c'est que Kamel fasse la courte échelle à Julie, par exemple. Regarde, c'est par là-haut, exactement. Et ensuite, il faut qu'il fasse la courte échelle, Kamel, à Julie pour qu'elle puisse sortir. Et Julie lui tendra la corde. Voilà. Mais qu'il se dépêche. Rouillez-vous. Là, vous êtes en train de perdre un jeu malade. D'accord. Non mais je suis dans le langage par achat. Vas-y, dis-lui de lui lancer la corde tout de suite. Lance-lui la corde qui est au-dessus de toi tout de suite. Non mais maintenant il faut leur mettre la corde. Ou alors je... la corde. Mais c'est Kamel, je sais pas, mais mettez. Non, mais il arrive là, il arrive. Alors dépêchez-vous. Allez, il faut se dépêcher là, il faut se dépêcher, on perd du temps. Vas-y Kamel, pense. Allez, pense. Allez, vas-y. C'est le meilleur. Bac partout, je pense que c'est ça. C'est bien. Je crois qu'il y a plus une minute à perdre. Kamel, dépêche-toi. Allez, en gros, Ah ouais, non, mais vous avez dû utiliser 4 ou 5 téléphones. J'en sais rien.